Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale, on va faire un petit pack opening, deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne. C'est parti! Ouais, c'est parti, on va se faire un petit pack opening d'arène 8. Voilà, donc j'ai décidé de rester arène 8 finalement parce que bon, il y a un moment, c'est un peu. Voilà, c'est... tu montes, puis après t'es obligé de redescendre pour rester arène 7, enfin bon, voilà. Et le truc, c'est juste que cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi, hein. Cette nuit, je me suis couché à 5h du matin, et puis je me suis réveillé à 8h38. Voilà, non mais bon, voilà. Donc on va commencer par le petit coffre d'argent. Et le problème, c'est que ce matin, bah du coup, bah, moi je commençais à 9h, hein, donc j'avais pas le temps de faire la vidéo. Donc là, je le fais à midi. Seulement, le truc, c'est que bah, je vais pas pouvoir forcément la terminer tout de suite. Donc je sais pas à quelle heure je vais la mettre cette vidéo, tu vois. Je sais même pas si je vais la mettre aujourd'hui à vendredi. Là, on est vendredi aujourd'hui. Je sais même pas si je la mets aujourd'hui. 66 d'or, ça fait plaisir. Un chaussure de cochon, bah ça c'est de la base. Ça c'est la base. Géant royal, bon c'est pas extrême non plus, géant royal, mais voilà, des fois pour se faire plaisir, ça peut. Ouais, encore et encore. Bon alors 54 d'or, c'est déjà beaucoup moins ça, je trouve, hein. Ouais, c'est bizarre ça. Ouais, non mais. Ouais, 60 et quelques, je sais même plus combien c'était d'ailleurs. Tu vois à quel point je suis fatigué. Je sais même plus combien c'était. Je crois que c'était 64 ou 62. Donc une boule de feu. Ouais, donc je sais pas du tout à quelle heure je vais mettre cette vidéo. Donc bah je sais pas du tout. Et c'est vrai qu'en ce moment là, j'ai pas de temps, c'est un truc de fou. Donc 9 électrocutions, ça, ça fait toujours aussi peu plaisir. D'ailleurs, ils l'ont même pas changé électrocution. Hein. La dernière mise à jour là, ils l'ont même pas changé. Hein. Franchement, là. Regardez, hop, où il est. Et que dalle, ils l'ont laissé comme ça, mais c'est un truc de malade. Ah là là, je te jure. Bon alors, 56 d'or, ça fait plaisir comme d'hab. Une Valkyrie, bah voilà, c'est le genre de choses que je veux, moi. Et 9 canons, ouais bon, ça, un peu moins, ça. Je préfère les Valkyries, par exemple. Voilà, donc sinon, on a quoi d'autre? On a 72 d'or, tu vois, c'est déjà mieux, là. Tu vois, le coffre gratuit est déjà mieux. Une tour de l'enfer, bon, c'est pas très intéressant. 9 esprits de glace, ils sont mignons, donc ça passe. Mais ils font un peu flipper, quand même. Hein. Coffre gratuit. 78 d'or, une cabane de barbares et 9 esprits de glace. Ouais, ils sont mignons, mais bon, ils sont beaux être mignons, ils sont nuls. Hein, bon. Non, ça peut être serviable. Seulement que moi, je suis plus du genre à utiliser des troupes qui coûtent cher et d'envoyer la pâtée à mort, tu vois. Genre le molosse de lave et tout, du ballon, du géant ballon par exemple, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, des choses comme ça. C'est pas bien de dire truc, hein. Non, c'est pas bien. C'est pas... Pour le monde professionnel, c'est pas bien. Attends, je vous donne des conseils, c'est bien. Donc, 173 d'or, ça fait plaisir. 2 esprits de glace, ça commence petit, ça c'est pas mal. Et un extracteur d'élixir, on commence encore petit. 2 cabanes de gobelins, oui bon. Tu pourrais essayer d'augmenter les chiffres, s'il te plaît. Et 27 chevaliers. Bon, c'est dommage. J'aurais préféré genre des gargouilles, par exemple. Non, plus les hordes. Ouais, les hordes de gargouilles, je veux dire. J'aurais préféré des hordes de gargouilles, mais malheureusement, c'est comme ça. On a eu quand même une Valkyrie. Un cochon, et ça, on va pas se cacher, Valkyrie cochon, ça fait plaisir. Donc du coup, on va se faire deux petites attaques. Bon, tranquillou, on se fait une petite pack opening. Hein, c'est toujours comme ça, un petit... Ah bah, il y a des exceptions, des fois on fait un gros pack opening. Comme dans pas très longtemps. Bon alors du coup... bah je vous dis ça comme ça. Bon, après dans combien de temps exactement, ça dépend de ma chance. Hein. Non, mais normalement, il devrait y avoir un bon gros pack opening. Pas, peut-être pas à ce point-là, mais quand même un petit peu. Pour moi, en tout cas. Sans payer, hein, je le dis quand même. Non, je tiens à le dire quand même. Sans payer, bah oui. Donc, du coup, parce que moi, je paye pas. Non. On va faire deux petites attaques avec ce deck. Donc, je vais essayer de me grouiller. J'espère que j'aurai le temps de les faire. Sinon, je vais devoir le faire à ça, à 4h30, là. J'ai le temps de mettre en ligne et tout. Oh là 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 là. Bon, alors, du coup. on va se faire deux petites attaques. Et puis je vais vous dire un petit truc. C'est parti, on est contre Gentleman, qui est niveau 9. Bon alors du coup, oui, je voulais vous parler d'un truc. C'est par rapport à ma carte graphique, j'ai reçu hier, donc hier on était jeudi, hein, aujourd'hui on est vendredi. Donc j'ai reçu hier, et le truc, la chose, c'est que... c'est qu'elle est plutôt pas mal, on va pas se le cacher. C'est une, si je me rappelle bien, c'est une GTX... une GeForce 1060, je crois. 1060, ça doit être ça. 1060, ouais.
Et enfin, c'est une turbo. Et franchement, plutôt pas mal. Donc, c'est une Asus. Asus et Nvidia, hein, normal, la base, quoi. Voilà, qu'est-ce que je te dis, moi. Et franchement, elle passe bien. J'ai testé. Mais t'as vu dès le début ce qu'on lui a mis ? Bah, le gentleman, il est très gentleman, apparemment, avec moi. Hein. Je t'en remercie. C'est le mec. Bon, oui, donc, du coup, bah, le comment dire ? Bah, du coup, cette carte graphique, franchement, elle pourrait vraiment. Être bénéfique, hein, étant donné que bah, après tu peux faire des jeux quand même assez gros, tu vois. Comme Resident Evil 0, franchement, il le fait tourner, mais 60 FPS, ultra de partout. Bon, c'est pas du ultra, c'est du haute qualité. C'est déjà bien. Je sais pas quoi dire. Oui, donc. Parce qu'il n'y a pas ultra sur le jeu, hein, il y a juste. Je crois que c'est faible, moyen et haut. Voilà, il y a trois différences, c'est pas. Voilà. Mais franchement, c'est déjà pas mal. J'en suis sûr que un petit GTA 5 en ultra, ça m'étonnerait pas. Même un BO3 en ultra, ça m'étonnerait pas. Non, ça m'étonnerait pas. Et à la base, c'est fait pour du 4K à la base. Hein. Enfin, elle a été montée pour pouvoir supporter le 4K. Donc en 1080p, ça passe plutôt bien. Franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça passe bien malgré que ce soit fait pour la 4K, tout ça. Enfin, c'est même encore mieux parce que du coup, je pense que je pourrais pas faire du ultra en 4K. Ce serait pas possible. Non, c'est pas possible. Mais là, du ultra en 1080, je te dis, sur du BO3, j'en suis sûr, ça passe. Franchement, carte graphique plutôt pas mal pour 280€. Moi, je dis, ça passe bien. 6Go de RAM vidéo, je crois. Je crois que c'est ça, un RAM vidéo, je crois. Je voudrais pas dire de la merde, je suis un peu fatigué. Et donc, du coup, bah, moi, je veux dire tout de suite pour une deuxième attaque. C'est parti. C'est parti, on est contre c'était Dias à Kenny 8. voilà. Non mais bon, je voulais rigoler un coup. Voilà. Alors petit sourire, petite bonne chance. Et puis franchement, il a vraiment cru que ça allait servir à quelque chose qu'il a fait là. Oui, tout à fait. Ouais. T'as vraiment cru que ça allait servir à quelque chose que t'as fait, mon gars. Bon, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, on va faire ça. Et pouf, regarde-moi ça. Oh bah qu'est-ce qui s'est passé ? Oh bah tiens. Oh bah mince. Oh bah qu'est-ce qui se passe ? Oh, quel dommage. Bon, ça va, il a quand même bien réussi son coup. Mais malgré tout, je fais quand même... Oh, je le rattrape de ouf, là. Ouais. Beau gosse attitude. Regardez-moi ça, ce que je lui ai mis. Ça, c'est bon, ça, tu vois. Ça fait plaisir. Donc, on va essayer de mettre... Allez, une petite méga gargouille. Ça devrait passer. Nickel, un petit coup, un deuxième coup, et c'est fini. Voilà. Et donc là, on va prendre les flèches. Au cas où, on sait jamais. Oui. Démon, hein. Aïe, pof, hop là. Oh non, j'aurais pu avoir la... Bon, c'est pas grave, elle va se faire désinguer en zone chrono, donc je m'en fous. Nickel. Oh là 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 là. Mais hey, franchement, c'est génial. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu mettes ça ici, là. Qu'est-ce que je m'en fous, ma pété. Ouais, c'est parti, on va mettre ça là. Je sais pas si on défend plus, quoi qu'à son niveau 11, hein, c'est la base, attends, regarde-moi ça. À son niveau 11, mais regardez les dégâts qu'elle fait. Ça, c'est des archers, ça, mais c'est... Franchement, c'est des troupes, les archers. Au début, je les utilisais pas, hein. Mais en vrai, mais elles sont trop puissantes. En plus, à son niveau 11, t'imagines, c'est un truc de malade. Je kiffe, moi, j'adore ça. Voilà, bon. Oh non, ça, par contre, c'est pas cool, ça. Ah, ça, c'était pas prévu, ça. Mais bah je m'en fous, de toute façon je t'ai défoncé mon petit, je t'ai défoncé. Voilà, alors pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y a quand même 2-3 personnes qui m'ont dit ah mais franchement ça serait mieux si tu serais avec une caméra. Bah disons que pour l'instant je suis pas trop chaud, hein. Et puis mon téléphone n'a pas non plus une super qualité. Et puis bah je préfère, tu vois, par exemple moi si je dois me filmer, tu vois. Et ben en même temps je mettrais un fond vert, tu vois. Et ben ouais, je mettrai un fond vert pour pouvoir me filmer bien comme il faut et pouvoir vraiment... pour avoir un truc intéressant. Il faut pas juste que, tu vois, juste qu'il y a une caméra comme ça et puis on voit ma tête. Non, je sais pas, il faut qu'il y ait un truc intéressant. Ne serait-ce que déjà un petit fond immobile déjà, ça serait déjà pas mal. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal, mais pas avant 1 ou 2 ans, je pense. Je pense que je pourrais pas y arriver avant 1 ou 2 ans parce que pour l'instant, je suis pas prêt encore. J'ai pas les capacités, enfin... C'est pas que j'ai pas les capacités, j'ai pas l'organisation qu'il faut pour l'instant par rapport à ça. Donc ça pourrait pas être possible. Voilà, c'était pour répondre comme ça, voilà, pour répondre, voilà. Je sais pas, ça m'a trotté dans la tête, du coup bah je me suis dit bah pourquoi pas répondre. Voilà. Et donc du coup moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire tout de suite pour le coffre à couronne. C'est parti.
Et c'est parti pour ouvrir le coffre couronne d'Arène 8. Ouais, c'est parti, on est chaud. Coffre à couronne, attention. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a pas? On ne sait pas. 452 d'or, ça fait plaisir. Moi, je te dis, il y a un truc qu'il n'y a pas dedans, c'est une légendaire. Ça, c'est moi qui te le dis. Et vu que j'ai toujours tort... Ah. Non, je déconne. Bon, alors, 3 gemmes, ça fait plaisir. 11 esprits de glace, bon, ça, par contre, bon, c'est bien sympathique, ton délire, hein, mais bon, une fois, deux fois, trois fois, casse-toi. C'est pour que ça rime, trois fois, désolé. Bon, alors, du coup, 12 gobelins, ça fait plaisir, effectivement, ça va, c'est déjà mieux que le truc de glace, là. 35 bombardiers. Ah, c'est pas mal, mais j'utilise pas. Donc, 3 mousquetaires, d'accord. Enfin, 6, 3 mousquetaires. Non, par contre, tu m'aurais donné 6, 3 cochons, par exemple. Enfin, 6, 3. Ça n'existe pas, c'est pas grave. Si tu m'aurais des 6 cochons. 6 Valkyrie, à la limite, hein. Ça était pas mal. Bon, après. Tu fais bien comme tu veux, tu vois, 6 Valkyrie. Ah oui, voilà, 6 gargouilles, 6 méga gargouilles, tu vois, ça aurait été pas mal. Mais non, toi, il faut que tu me donnes quoi? Des 3 mousquetaires. Waouh! C'est génial. On va aller loin comme ça, on va aller très loin. C'est pas très grave. Dans l'ensemble, ça reste plutôt pas mal. Étant donné quand même qu'on a eu quand même une Valkyrie et un cochon. Attention, dans tout le pack opening, dans tout ce qu'on a eu, on a eu une Valkyrie et un cochon. Waouh. Oui, c'est tout, effectivement. Et c'est de la merde, effectivement. Non, c'est déjà pas mal. Mais bon, de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on soit, arène, je sais pas combien, machin, on a toujours des troupes qu'on veut pas, c'est toujours comme ça, c'est bon. Voilà, c'est toujours de la chance à la con, là, hein, ça m'énerve. Bon, en attendant, je vais vous laisser sur ce, hein. On s'est fait 2 petites attaques. Putain, petit géant, là, petite flèche. On s'est fait 2... Ouais, on s'est fait 2 petites attaques, un petit back opening, un petit coffre à couronne, tranquillou. C'est déjà pas mal. Et donc du coup, moi, je vais rester sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis à ciao. Et puis n'oubliez pas, restez cool.